Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans l'atelier de Nanit. Et aujourd'hui, je vais vous montrer donc un petit haul Etsy parce que j'avais envie de vous faire découvrir là où j'achète des packs d'inspiration pour faire des junk journaux. Et cette petite boutique s'appelle, c'est la boutique de Catherine. Et elle s'appelle Châtelaine Finds. J'ai reçu mon petit paquet hier, alors j'ai attendu patiemment, parce que d'habitude je me précipite dessus tellement c'est joli. Là j'ai attendu patiemment pour l'ouvrir avec vous. Donc j'ai quand même enlevé un petit peu de scotch. Et là je vais l'ouvrir avec vous. Donc dans la boutique de Catherine, on peut donc acheter des petits packs d'inspiration. Et dedans, il y a toutes sortes de choses. Très très joli pour faire un junk journal. Donc j'avais envie de vous montrer ça. Donc voilà, donc c'est toujours très joliment enrubanné dans un sac, enfin dans un paquet de patron, d'ancien patron que je garde évidemment. Alors tout ce que Catherine envoie, ben, je garde tout. Vous voyez la ficelle, les petites cartes. Donc je l'ouvre avec vous. Hop, voilà, évidemment, il est à l'envers. Et voilà la petite beauté que je découvre en même temps que vous. Alors, c'est toujours très joliment présenté. Alors, je vais l'ouvrir avec des éphéméras, des feuilles, des dentelles, des boutons, des cartes. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire un junk journal. Et ce que j'aime beaucoup dans la boutique de Catherine, c'est qu'en fait, je trouve ce que j'aime. C'est mon style. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime voir, c'est ce que j'aime acheter. Alors, je crois que je suis rendue à peu près. J'ai dû acheter 7 packs chez Catherine. Voilà. Donc, vous voyez, déjà, ça commence bien avec cette jolie dame. Vous savez comme j'aime les jolies dames. Donc les petits packs de Catherine sont toujours bien présentés, c'est-à-dire que dans une petite pochette, on a les boutons, les rubans, vous voyez, de vrais petits trésors. Alors j'ai déjà mis des choses que j'avais achetées chez Catherine. Voilà. Donc alors, là j'ai de jolis boutons. Petits boutons roses et voilà des petits bouts de dentelle absolument adorables. Ça c'est ce sont des couleurs que j'aime beaucoup. Généralement je suis toujours attirée par la même couleur, hein, les tons roses, vous savez comme j'aime ça. Et voilà, plein de petits bouts de dentelle que vous pouvez mettre sur les junk. Voilà. Donc là, il y en a quand même beaucoup. Voilà, de la dentelle, des bouts de tissu. Pour l'instant, ce sont des... Ça, c'est adorable. Tout est adorable. Vous voyez, des petits boutons. C'est tout ce qu'il faut pour même pour faire du scrap. Des petites décos, etc. Donc voilà mes petites dentelles. Des petits boutons en forme de fleurs. Ça, j'adore. Je trouve ça trop beau. Ça peut faire une très très jolie pochette. Encore un là. Un petit bout d'organza. Et ici, un bleu. Pour faire un. Il y a de quoi faire, hein, vous voyez. Là, j'ai des petites fleurs. Des éphéméras. Alors ça, j'adore. C'est une carte. Carte de jeu. Elle est trop belle. Donc voilà. Des cartes, une jolie carte postale. Ancienne. Une deuxième. Donc vous voyez, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et on découvre, même si on a vu, hein,
Catherine a donc une boutique Etsy. Je vous mets le lien en bas de mon. Ça, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est absolument sublime. Sublime. On dirait une chromo. C'est magnifique. Et donc, oui, alors, qu'est-ce que je disais? Oui. Catherine, donc sur sa boutique, fait une petite vidéo ou sur son site Instagram. Et à chaque fois, ben, quand on reçoit, on découvre, malgré qu'on ait vu ce qu'il y avait dedans, on découvre. C'est superbe, c'est encore plus joli en vrai, quoi. Donc là, c'est une belle lettre, vous voyez, à mettre dans un junk. Donc il y a toutes sortes de papiers. Et alors, voilà. Et ce que je vais vous proposer. Alors ça, j'adore. Regardez cette jolie photo. Elle est sublime. C'est une maman avec son petit garçon. Donc voilà, tous les petits trésors qu'il y a dans ces packs. Regardez-moi cette beauté. Alors je dois dire qu'ils sont, ils ne sont pas onéreux. Et Catherine met beaucoup de pages. Il y a de quoi faire un très joli junk. Voilà, une feuille de partition. Donc je vous mettrai le lien sur sa boutique Etsy. Et vous pouvez aussi la trouver sur Instagram. Un joli mouchoir brodé. Du tissu. C'est une jolie découverte à chaque fois. Et regardez-moi ça. C'est adorable. Donc voilà ce qu'on peut trouver dans les packs de Catherine. Et ce que je vous propose. Pour vendredi prochain, avec ce pack, on va faire un junk, tout simplement. Comme ça, je vous montrerai à partir d'un kit ou d'un pack. Là, franchement, on a de quoi faire quelque chose de vraiment très très joli. Avec tous ces petits trésors. Et généralement, Catherine nous met un petit plus. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. Je ne le vous montre pas. Comme ça, vous aurez la surprise si jamais vous allez voir sur sa boutique et si vous achetez un pack. Donc voilà, j'avais envie de vous faire découvrir où est-ce que je m'approvisionnais donc en pack ou en kit, c'est comme vous voulez. Et donc je vous propose vendredi de commencer un junk avec toutes ces beautés. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis donc à vendredi. Au revoir.